Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Let's Play Princess Peach Showtime. Ça y est, le jeu sort aujourd'hui. Nous sommes le 22 mars 2024. Bonjour Ligon, je vais très bien, merci et toi? Tu viens assister au démarrage de ce jeu. J'ai fait la démo il y a de cela 2 semaines. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tu vas très bien aussi, parfait, parfait, parfait. On arrive dans ce magnifique théâtre. Princess Peach, nous sommes enfin arrivés. Dit le petit Toad, je vais aller chercher des billets, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Allez explorer le foyer, en attendant, je vous préviendrai quand j'aurai les billets. Salut Amel, comment vas-tu? Alors, on a fait ça hein, dans la démo. Bienvenue au théâtre de l'étincelle, youpi, mais c'est magnifique. Et donc eux... Ça s'appelle des théâtrins, je crois. Pourquoi je peux pas descendre? Eh oui, désolé, personne n'a le droit d'aller par là, pour l'instant. Très bien. Toujours pas ouvert, ici. En cours d'installation, très bien. Donc on voit, on a un chapeau avec des cornes, là-bas. Ici, la toque de cuisinière, bien sûr. Oui, je vais très bien, Amel, merci beaucoup. En forme, devant ce nouveau jeu. On a un kunai en face de ninja et une épée de un sabre de pirate. Très bien. J'aime beaucoup cette entrée de théâtre. Allez, tous les théâtrins rêvent de jouer dans une pièce un jour, ce sera notre tour. D'accord, j'en saurai pas plus. Toujours des musiques entraînantes, hein, bien sûr. 5 km pour toi à vélo. Bien, 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 ça fait du bien. Ça maintient la forme. Ah! La nouvelle pièce de l'épéiste va bientôt commencer. Merci de patienter. On patiente. J'adore. Regardez, elle tient sa robe d'une main pour pas marcher dessus, bien sûr. Laissez-moi vous guider. Ah non, mais je peux pas. L'étincelliste de cette pièce est génial. Bien, bien, bien. Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Ah, peut-être ce Toad là. Quelle pièce irais-je voir? Non. En plus, si tu t'es trimballé un énorme sac sur le dos, ça rajoute du poids, c'est sûr. C'est sûr, mais ça fait les jambes et le cardio. Petit Todd, mais t'es pas allé chercher les billes? Comment j'avais fait, moi, dans la démo? Merci de patienter, mais je patiente, hein, je patiente. Je ne fais que ça. C'est étrange. Il me faut les billets. Ah, attends. Attendez, l'étincelliste de cette pièce est excellente. Une étincelle pareille, ça ne s'invente pas. Les étincellistes sont nos stars. C'est eux qui insufflent leur vie aux pièces.
Ah, ça y est, le petit Todd a les billets. On n'attendait que ça. Ah, j'arrive pas à faire leur voix. Voilà votre billet, regardez tout ce monde, les pièces doivent être remarquables. On dirait que notre pièce va bientôt commencer, nous ferions bien d'aller nous asseoir. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je m'appelle Syrah, et avec ma troupe, la Grappe Maléfique, je vous réserve un spectacle terrifiant. Princess Peach, showtime. C'est parti. C'est Stella. What's wrong? Oh, tu veux savoir quel est le problème? Bah oui, oui. Des types masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce sans dessus-dessous. On ne pourra pas jouer tant qu'ils seront là. Oh là là, je sais vraiment pas quoi faire. Je vais m'en charger. Pardon, tu es tout simplement venu voir nos pièces, mais au final, tu assistes à une catastrophe. Ma pauvre, il faut que tu rétablisses la situation, mais je crois que je suis incapable de le faire seul. J'adore. Je ne veux pas te forcer la main, mais ton aide nous serait inestimable. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Princesse Peach? Bah, je crois que j'ai pas le choix, hein. On va y aller. Tu veux nous aider? Oui. Merci, merci, merci. Vraiment, j'insiste, c'est génial que tu acceptes. Après vous. Je m'appelle Stella, je suis une fée de l'étincelle et je veille sur ce théâtre. Et toi? Tu t'appelles Peach? Très joli prénom. Grâce au pouvoir de l'étincelle, nous allons reprendre le contrôle de la pièce et le spectacle pourra continuer. The show must go on. Dommage que tu n'aies pas de proposition, fallait dire non. T'imagines? Le jeu qui s'arrête au bout de 5 minutes. Les types masqués dont je t'ai parlé étaient dans la pièce de l'épéiste. Allons-y. Dans la démo, on avait fait l'épéiste. On avait aussi fait... la cuisinière. Donc on va le refaire parce que dans le Château des Ronds, c'est d'ailleurs sur toutes les pièces de théâtre, on a 10 petites étoiles, 10 petites étoiles à récupérer. Je ne les ai pas toutes récupérées. En selle. Voici l'histoire de l'épéiste, et je sens encore que quelque chose cloche. Oh, oh non! Quelqu'un est blessé. Oui? Ce sont ces types masqués qui ont fait ça. Point d'interrogation. Ah, j'ai compris. J'ai une idée. Nous devrions essayer d'utiliser le pouvoir de l'étincelle. Regarde bien. C'est magique. Et voilà, Peach, tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban. Allez, vas-y. Utilise l'étincelle sur le théâtre pour l'aider. Yes. On appuie sur B, on tournoie, et c'est magique, on le soigne. Il se sent à merveille. C'est un des effets de l'étincelle, elle peut faire le bien des gens et des objets qu'elle touche. Avec ton aide, nous pouvons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre. Let's go.
Eh bien, let's go, comme dit Peach. Allons-y. Bien, on dirait que tout est redevenu normal par ici. Cela dit, on ferait bien mieux de s'assurer que tout va bien au château. Oui. Alors, je sais que voilà, on peut faire pousser des petites plantes. On récupère des pièces. D'ailleurs, voilà, on a tout ça à récupérer au-dessus. Tout est noir encore. Et on a même un nœud papillon, enfin un ruban. Non, c'est quoi, un nœud? C'est un nœud. Allez, on va farfouiner. Salut, donc la dernière fois je le disais, hein, c'est mon Roméo et je suis sa Juliette, sauf que les rôles sont inversés. Logiquement, je suis, hop là, là-haut, au balcon. Et c'est toi qui me chante une douce mélopée pour séduire Peach. Je me sens comme neuf. Ah, pourquoi vous courez? Oh non. Oh non. Ah. La lumière se tamise. Les voilà, on dirait qu'ils font encore du grabuge. Les vilains. On va leur donner une bonne leçon. Voilà, il faut absolument qu'on intervienne. Je le savais, ils n'ont aucune chance face au pouvoir de l'étincelle. Attention, agression. Agression sur un théâtre. Hein. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mon ruban? Ah, joli. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi servent ces pièces. On verra plus tard. Je peux même faire tourner l'arbre. Incroyable. Incroyable pouvoir de l'étincelle. Bien sûr, là, on nous apprend à sauter. C'est gentil. Donc, c'est Peach GRS. Hein. C'est un petit peu comme de la GRS. Clac, coup de ruban. D'accord. J'avais pas vu. On avait le choix entre les pièces ou autre chose. Il devrait y avoir un raccourci pour aller au château ici. Mais où est passé ce sentier? Alors? Voilà, on fait éclore les projecteurs, bien sûr. On peut continuer maintenant, yes. Voilà, c'est une gemme d'étincelle. C'est la preuve de tes efforts remarquables. Elles contiennent une puissance étincelante, récupère-en autant que possible. J'y compte bien. Donc c'est la première, parfait. On n'a pas le pouvoir de Peach qui plane un petit peu. On l'a pas ici. On peut voir le château d'ici, c'est bien, on s'en approche. C'est moins bien ça. Pourquoi il y a tant de ronces? Oh non, le roi est dans le château. Bougez pas, on va l'aider. Mais d'abord. De vilaines ronces qui poussent partout. Il te manque de la force. Voilà, petit théâtrin chevalier. Et là, on a un trou. Étrange, pourquoi tu te fais... Ah mais, d'accord. Pourquoi tu cours? J'ai eu si peur, merci pour ton aide. Et là-haut, je te vois, je la vois. Je peux pas la voir. J'avais fait une bêtise la dernière fois, dans la démo, je crois que j'étais parti directement là. Je me demande ce qui se passe au château. Je vais pas entrer tout de suite. En tout cas, ce jeu est très beau. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime bien ce site de jeu, moi. Oh, je sais plus de quel côté... Par quelle porte j'entre, moi. C'est un petit peu la folie des ronces ici. Donc je ne peux pas.
Ok, on n'a pas le choix. Ils essaient quand même. Allez-y, les gars, je vous donne de la force. Tu es si forte, Peach. On t'aime, Peach. Je sais pas, gauche ou droite, j'en sais rien. On va aller là, on verra. Ah, je me suis trompé, je crois. C'est l'étincelle de l'épéiste, Peach. Je crois qu'ensemble, on pourra l'utiliser. J'ai dû me tromper. C'est pas grave. Ah oui, transformation, la première. Peach, épéiste, mousquetaire. Et là, je peux vous dire qu'elle est badass. On va couper toutes ces ronces, bougez pas. Voilà, là, ça rigole plus. C'est tout bon. Et c'est la quatrième. Ah, j'ai loupé la troisième. Mince, je vais devoir le refaire. Parce que je veux faire le jeu à 100%. Toujours pareil, je suis curieux de savoir comment Nintendo allonge la durée de vie de son jeu. Ah, commande. Si tu trouves un lieu intéressant, appuie sur ZL ou ZR pour prendre la pause. Ah oui, c'est vrai. Hop là. Jolie photo. Et je peux pas revenir en arrière. C'est pas grave. Bravo. Bravissimo. Tu feras pas un pas de plus. Ok. Très très joli, hein. Ces petits effets d'attaque. Merci pour le cœur. Je peux pas. Mince. Je peux pas les attaquer là-haut. Ah oui, c'est vrai qu'elle a des attaques à la Matrix. Thank you. Sous les projecteurs. Ah oui, pause peut-être. C'est ça. D'accord, on s'en va sous la scène. Et même là, sous la scène, il se passe des choses. Incroyable, je suis... Ouais, c'est dommage que j'ai loupé l'autre étoile. C'est pas une étoile, comment... Je sais plus. Une étincelle. Pardon, j'ai failli te couper. Le roi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Noble épéiste, à l'aide, sauve notre roi. Bien sûr, à votre service. Je peux pas prendre la pause avec eux. Ça sert à rien. Tu n'iras pas plus loin. No way. Pas moyen. Joli. Allez, viens. Je t'attends. Bon, c'est pas la même. On n'avait pas ça dans la démo. Commande. Appuie sur A pour sauter et esquiver les attaques ennemies.
Ah d'accord. Ok, onde de choc. Yes. Sublime. Pour battre un ennemi au-dessus de toi, incline le joystick vers le haut et appuie sur B. Alors attendez. Non, vers le haut. Ah, je peux. Ah non, d'accord, ok. J'ai même pas besoin de sauter. Ça, c'est quoi? Ah, projecteur? Projecteur? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que Peach prend la grosse tête. Venez là. Mais pourquoi vous allez là-bas? Venez là. Je vous pourchasse. Chasse au théâtre. Il est marrant ce jeu. Moi en tout cas il me fait rire. Ouais. Je cherche les petites étoiles les gars. Vous en auriez pas vu par là? Ah si. Oula, beaucoup de monde par là. On arrive au château. Le roi. Le château est à nous maintenant. Il disait le petit gars là-haut. Je vais te montrer qui est le chef ici. Vous ne passerez pas. C'est ce qu'on va voir. Hop là, tu fais quoi? Tu te caches? Très très belle attaque. Ok, attention. Je sais pas. Voilà, je me suis touché. Alors, je vais pas juger la difficulté sur le premier niveau. Vu que c'est un jeu Nintendo, issu de l'univers Mario, ça peut aller crescendo. Pour l'instant, c'est simple, c'est sympa, hein, vraiment sympa. Et j'ai pas le nœud papillon. Est-ce qu'on a le nœud papillon lorsqu'on a les 10 petites étincelles? Possible. On a réussi. Ensemble, on peut utiliser le pouvoir de l'étincelle. Cela dit, le théâtre n'est toujours pas revenu à la normale. Hein. Ces fils brillants et ce symbole dans le foyer seraient-ils liés? Je suis sûr que les autres pièces ont aussi besoin de notre intervention. Allons voir si tu veux bien. Mais j'en serais honoré, très chère Stella. Seulement... Ah mais attendez, je peux pas récupérer mon... Oula, je peux pas revenir... Ah si, bien sûr. On va se dépêcher de faire ça. Je récupère la petite étincelle qu'il me manque. Et je me pose une question, est-ce qu'on est obligé de faire le niveau entier? On va voir.
On va voir ça. Peach time. Ah mais on se... D'accord. Nous voilà dans l'histoire des pays, ces types, ce n'est pas notre priorité, commençons par nous rendre au château. Non, c'est bon. Hello, salut les gars. Allez, on file. Attention, pardon, excuse-moi. Coup de ruban. Voilà, parfait. Je sais même pas si on a besoin de s'occuper d'eux. Pas du tout. Ça m'arrange. Mais oui, magnifique château entouré de ronces, attention. Et voilà, cette porte en haut qu'il faut qu'on atteigne. Hop là. Ces arbres étaient fleuris avant. Ah, petit indice. T'es pas content? Toujours pas? Ah mais non, il m'en manque deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le ruban. Ah. D'accord. Donc c'est pas du tout le la petite étincelle. Ok, donc on sait que le ruban, faut le récupérer comme ça. Et l'étincelle alors? Et l'étincelle. Elle devrait se trouver par là. Logiquement. Donc celle-là, c'est la combien? La deuxième. Donc à partir d'ici. Tiens. À partir de là, je réfléchis. Il y a ça à faire fleurir, bien sûr. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ici? Parce que si j'entre là-bas, je suis fichu. Ah, ça y est, d'accord, c'était tout simple. Très bien, très bien. On a tout, on a tout, on a tout. Bien sûr, c'est dommage qu'on ne puisse pas passer. Oh, je vais faire une bêtise. Attendez, et si je fais quitter? J'ai envie de tenter. On tente. Si je fais ça, est-ce que ça sauvegarde tout? Ça m'arrangerait. Pas du tout, mince. C'est pas grave, on apprend. On apprend les rudiments de ce jeu. Et ensuite on passe, je crois, à la pitch cuisinière. Et attention aux gourmands, parce que ça peut donner envie. Ça peut donner très faim. Vu la tête des gâteaux, faut se réfréner. Peach time. Peach time.
D'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de les combattre? Je sais pas, j'avance. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est impeccable. On peut aller encore plus vite. Je trouve ça dommage qu'on doive refaire le niveau entier. Même si le niveau est vraiment sympa. C'est dans quoi? C'est dans Yoshi's Crafted World? Ou sur des missions, on n'a pas besoin de refaire tout le niveau entièrement. Si on complète une mission, hop, on peut sortir, ça nous propose de sortir du niveau. Ça sauvegarde tout. Elle est le nœud, merci. C'est ça. Allez, on fonce. Donc, on voit bien, hein, l'importance de tout récupérer au premier essai du niveau, d'un niveau. Allez, c'est parti. On coupe tout. Est-ce que je suis obligé de tout couper? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous donne envie, ce jeu? Est-ce que c'est votre style de jeu? Est-ce que de regarder, c'est amplement suffisant pour vous? Est-ce que vous pouvez me dire? Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas un énorme, comme un énorme Mario 3D. C'est pas ça. C'est... C'est très beau. J'aime bien regarder Eligon, c'est détente, tout à fait. C'est vraiment détente. C'est ce que j'aime chez Nintendo. Salut Monkey! Comment ça va? Ça se passe bien le télétravail? Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est sympa à regarder. Eh bien, il est sorti aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Vraiment sympa, oui, bah, de toute façon... Bah, j'espérais bien que ce jeu soit sympa. À jouer et à regarder. Ok, à ton tour, allez. Dépêche-toi, je t'ai déjà battu une fois. Bientôt le week-end, mais oui. Bientôt le week-end. Yes. Pff, c'était juste, hein. Bien joué. Alors là, on trace. Hop là. Pour ceux qui viennent de rejoindre, j'ai déjà fait ce niveau. Aïe. Je l'ai fait juste avant ce niveau.
Il me restait juste à récupérer deux choses. C'est pour ça que je vais vite. Hop là, hop là, hop là. Mais ah d'accord, dès que je les touche... Bon. On leur donne une bonne correction. Ça va être terminé, vous en faites pas, on va passer à la suite. C'est Gandalf, vous ne passerez pas. Et logiquement, c'est bon, on a terminé. Allez hop, niveau 100%. Le chapeau lui va bien. Thank you very much. Thank you very much. Ruban pour robe obtenu. Très bien. Regardez, la salle a changé. On a des boules à facettes. Tout est plus violet. On a des faisceaux lumineux là-haut, des faisceaux laser. Ces fils bloquent le chemin. C'est pas des fils, hein. C'est des lasers. Des lasers qu'on peut pas traverser d'ailleurs. Ah oui, ça a ouvert des accès. Allons voir, est-ce que ce sont les toilettes ? Oh, le sous-sol du théâtre, il y règne une atmosphère étrange, pour l'instant, remplie de mystères. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vraiment étrange. Au sol, on a une étincelle. On y reviendra. Et si on allait faire la cuisine maintenant? Attention, comme je disais précédemment, avis aux gourmands. Ça va faire saliver. Le festival des gâteaux. En revanche, vous entendez ce son là, on dirait un paquebot. C'est le début de la pièce, de la scène. Je pense qu'ils auraient pu trouver mieux quand même. Le bain. Oh, ils ont organisé quelque chose. Les pâtissiers préparent des gâteaux et tout le monde se régale. Ça va être génial. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait fleurir un gâteau. Je fais fleurir des gâteaux. D'ailleurs, pardon. On arrive directement sur une tartelette. Remarquez. On essaie de voir tous les détails d'ailleurs. J'ai tellement hâte. Je veux goûter un gâteau de pâtissier. Pas pâtissier, je veux le goûter, d'accord. Ok, je l'ai lu, ça sent tellement bon. Chouette, il n'y a pas de type masqué. Qu'est-ce que vous dites? J'ai hâte de goûter les biscuits. Je vais m'empiffrer deux gâteaux.
Attention au cholestérol quand même. Et au sucre et tout le reste. Oh, ça va commencer, mais c'est trop dur d'attendre. On a les accros du sucre. À nous tous les gâteaux. Je crois pas, petit bout de malheur. Oh, arrêtez de voler nos gâteaux. Ils sont trop mignons. Nous n'avons pas le temps de geindre. Ok, c'est bon, ils sont remis sur pied. La tartelette magique. C'est quoi, c'est un petit biscuit? Petit biscuit. Attendez, avant ça, c'est bon, j'ai récupéré la première étincelle. C'est tout bon. Toute aide sera la bienvenue, bien sûr, je suis là pour ça. Encore une fois, les décors sont somptueux. Ils savent faire ça, Nintendo. Ils savent faire des décors de rêve. Ça fait rêver. Rendez-les-nous ! Ah, bougez pas. Je vais les stopper. Voilà. On en a encore. Attention. Moi, je veux mon étincelle. C'est bon, je l'ai. Et le nœud pape, il est là. Enfin, le nœud, le ruban. C'est pas un nœud pape du tout. Ah, c'est bon. On peut monter sur le décor. Attention. Merci, ma chère. Mais de rien. Tiens, coup de ruban. Je vais pas me laisser abattre, on va en faire d'autres, c'est tout. Nous avons encore du temps avant le festival. Allons chercher des ingrédients. Bah allez. C'est parti. Dirigeons-nous vers le verger. Ah oui, je peux prendre une pause aussi, c'est vrai, j'avais oublié. Ça devrait suffire. Ah non, je peux pas prendre la pause maintenant. Je pense que c'est qu'en transformation. Et là, on a quoi? Des pommes? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des fraises. Des pommes. N'importe quoi. Attendez, parce que j'ai découvert un petit passage, là. Mais c'est Tunique. C'est comme Tunique. Des passages cachés. Rien à faire. Parce qu'attention, des fois, on peut pas revenir... Ah, elle est là-haut. Purée, je l'avais pas vue. Je l'avais pas aperçue. J'allais dire, on ne peut peut-être pas revenir ici. Voilà. Ouf. Cette porte mène à la cuisine des pâtissiers. Oh non, la chef. Mais où est la chef? Bougez pas, je vais la remplacer. Vous en faites pas. Peach, à votre service. Oh, le fouet. L'arme ultime du cuisinier. Et voilà notre belle Peach pâtissière. Alors, le livre de recettes derrière. Excellent, le festival aura lieu. Quelle pâtissière tu fais? Mais merci, petit théâtrin. Tiens, je te donne un coup. Ah non, de ruban. Mais non, j'ai pu. Le festival aura lieu. Alors attendez. Il y a des fraises qui pendent. La cloche, le festival va bientôt commencer. Préparons des biscuits pour les visiteurs. Tu trouves aussi qu'il est beau le jeu Monkey? Il est magnifique, magnifique. Regardez-moi ce décor. On a des œufs, des fraises, là-bas du blé, de la farine. Là-haut, on a des petites fenêtres. J'adore les fenêtres. La tête des fenêtres. Voilà, qui sont pas anodines. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Des lustres? On a des lustres. Des fraises qui pendent. Pourquoi des fraises pendent? Je sais pas. Le beau livre de recettes.
Enfin voilà quoi, c'est beau. C'est en fait ça vend du rêve. Enfin ça, c'est pas que ça vend du rêve, c'est que ça nous fait rêver. Voilà. Au fourneau, tout à fait. Hop. Pitch best. Oui, d'accord, ça y est. En le disant, je viens de comprendre. j'adore. Merci Monkey pour ces petits trucs là comme ça. Pitch best, c'est vrai. C'est donc pas cauchemar en cuisine, mais c'est rêve en cuisine. Regardez. Et apprenez. Apprenez de pitch. Pitch best. Pose les biscuits que tu as finis sur le chariot. Oh oui, c'est vrai. Ouais. Faut pas se louper. Je veux mes étoiles. Mes étincelles, pardon. Alors, comment on fait? Appuie sur B de manière répétée. Arrête-toi au bon moment, ne mélange pas trop la pâte. C'est vrai, on peut gâcher. On va pas gâcher. Je fais ça et je sais pas à quel moment faut s'arrêter là. J'en sais rien. Non. Comment je fais? B. Ok, c'est parti. C'était un coup d'essai. Allez! On fait la popote. Je sais pas, mince, je crois que j'ai... C'est pas bon. On va essayer d'être un peu plus gourmand. Là, oh là là, magnifique. Quelle belle fournée. Pitch best. Yes. Voilà, pas du tout. Là, c'était cauchemar en cuisine. Tu t'es arrêté un petit peu avant. Hein. Petit bras, là. La musique, à noter, toujours. Sublime, mais... ils savent y faire. Hein. Oui. Je sais pas combien... Ah, mais si, on a une jauge là-haut, j'avais pas vu. Dépêche-toi. Voilà. Joli. Puis les deux bras, parce qu'elle est serveuse aussi. Hein. Attention. On a fait... On va faire péter le... Mince. Ah, dommage, vite, on se dépêche. Allez, encore une fournée, là. Je vais louper, mince. Oh non. Je suis pas arrivé jusqu'au bout. Mais j'ai quand même eu ma petite étincelle. Ah, mais j'en ai une sur trois. Bon, faudra le refaire. Hein. Est-ce que tu peux encore nous aider? Bien sûr. Pitch best à votre service. Je vois bien. Oh, joli, merci pour. Heureusement que le parquet est bien lustré. Hein. Regardez, hop là. Il va dire pitch best qui engueule tout le monde. Disant, mais votre cuisine est tellement sale, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que je mange. Allez, vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Décore les gâteaux comme sur l'image. Ah oui, c'est pas évident ça aussi. Au début, oui. Dis-nous quand on peut les emmener. Aïe, aïe, aïe. À toi aussi. Appuie sur B pour J'adore. Quand tu as fini, signale-le au théâtre maintenant. Ah. Allez, c'est parti. Et là, ça donne faim. Mais ça donne tellement faim, je me suis loupé. Je me suis un peu loupé. Ça va passer. Ça passe. Oh, les commentaires. Vivement qu'on ait le verdict. C'est merveilleux, je n'ai jamais rien vu de si beau. Merci. Emportez-le. Hop. Voilà, et la petite crotte au milieu. L'attente est insoutenable, j'adore. Tu as un talent incroyable. On frise la perfection, quand même. Hein. Je veux pas dire. Allez, hop, on se dépêche. Là. Et au milieu, on fait un cercle. J'aimerais bien réussir au moins cette épreuve. J'ai les trois. Comment on fait? Ah oui, ça. J'ai les trois petites étincelles. C'est trop d'émotions. J'adore les petits commentaires. Je les adore, les théâtres.
Ok, ah oui, pas évident. Là, comme ça, on va faire ça. On remonte, on fait ça. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça passe. En fait, ça corrige à la fin. Donc c'est bien. Ah, avec le théâtre au milieu, le bébé théâtre. C'est excellent. Attention, qu'est-ce que je dois faire comme ça? Je sais pas. Ok, juste comme ça, d'accord. Ah, j'ai pas terminé le truc là-bas. Mince, c'est bon? Non, pas du tout. Et là, vous? Ok. Non, les petites crottes là. Oh, joli. Bah, on est bon. On est archi bon. Roulement de tambour. C'est vraiment formidable, mais excellent. Ah, j'en ai qu'une. Ah, mais j'en ai loupé 3, 4. Est-ce que ça vous donne faim dans le chat? Tu vas pas fatement décorer ces gâteaux. Viens avec nous à la cérémonie d'ouverture. Allez, zou. Moi qui ne suis pas, je l'ai déjà dit dans la démo, mais moi qui ne suis pas trop gâteau et sucre en général, même moi ça me donne faim. J'ai envie de croquer à pleines dents ces gâteaux. Je ne tiens plus en place. C'est presque l'heure. Ce biscuit sera la touche finale. Oui. Mais comment ça se fait que j'ai loupé une étincelle juste avant? Étrange. À toi l'honneur de le poser, bien sûr. Avec B, je présume. Ma! Que le festival commence! Superbe petite scène. Sous le sigle de la pâtisserie. Et j'ai donc à récupérer encore 3 étincelles. Est-ce que je le fais maintenant? Ou est-ce que je passe à la suite et je reviens après? Possible. On va passer à la suite. On n'a pas accès aux étages supérieurs. Pas encore, tout du moins. Ce symbole n'était pas là avant. Lequel? Tu parles de quel symbole? Ah! Bah! Tu connais les amulettes cœur? Les acteurs qui font leur début ne jurent que par elles. Non, je connais pas. Si tu en portes une, tu obtiendras 3 cœurs supplémentaires. Alors, est-ce que tu veux une amulette cœur? Bah, je vais pas dire non. Je vais pas refuser. Viens me la rendre lorsque tu estimeras ne plus en avoir besoin. Ah. Pourquoi j'en aurais plus besoin? Exprime-toi. Et voir? Non. Alors, on peut aller ninjutsu le parchemin de l'eau, ou je pense qu'on peut aller là-bas aussi. Western en contrée sauvage. Je me tâte. Western ou ninja? Allez, on va commencer par ninja. Showtime. On va peut-être rencontrer Naruto. Qui sait? Peach time. Nous arrivons sur une espèce de tonneau
toute bonne histoire, j'ai pas le temps de lire. On dirait bien qu'on ne pourra pas aller par là. Mais si, tu vas voir. La musique. Oh yeah. Cowboy. Voilà, c'est Cowgirl. Notre village a été pris d'assaut. C'est fâcheux, j'en conviens. Joli, très beau cerisier. The First One. Et c'est marqué quoi? Tout droit, Manoir du Sage. Ah mais non, pas du tout. J'ai dit Cowgirl, Cowboy, tout. Mais non, c'est pour ça que je me disais, mais des cerisiers dans le western. Non, c'est Ninjutsu, le parchemin de l'eau, rien à voir. C'est étrange parce qu'au début, ça me faisait penser au western. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était un saloon, là, devant. Que là, c'était un tonneau. Très, très étrange. Et même la musique. Donc là, non. L'instrument qu'on entendait, là. Typique. Tu es passé par le puits ? Incroyable ! Suis ce chemin, tu arriveras au manoir. Bien sûr, merci pour ces petits indices, les petits théâtrins. On a un lampion là-bas en face. Il a fait un saut incroyable. Je ne peux pas passer en force. Et en douceur, je peux ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as rien à faire ici. D'accord, faut pas se faire voir. Et ce sont des bambous, mais oui. Mais oui, bien sûr. Ah oui, j'ai 3 cœurs en plus. Donc, on va attendre que lui se retourne. Bien sûr, attention. Mon entraînement n'aurait servi à rien, c'est-à-dire... Oh ! Ah, Kagebunshin. Non ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis ton ange gardien, petit gars. Par contre, est-ce que je peux peut-être le tuer ? Non, je peux pas. Je peux pas. Ah. Hop là. Et toi, tu vas au manoir ? Sûrement, si tu le dis. Est-ce que je peux passer là-bas ? Je pense. Il va y avoir un truc. Ouais, je me suis fait voir, évidemment. Mais oui, je t'oublie à chaque fois, toi. Y'a rien là-bas, moi je sais pas, ça me taraude. Oui, passage caché, ou pas. On voit plus Peach. En coulisses. Tu te changes. En tout cas, on voit ton ruban. Très bien. Et là... Oh. Mais qu'est-ce que je fais? Il y aurait un passage secret dans le coin. Ça m'intéresse. Je suis sûr que c'est là-bas, moi. Je sais pas pourquoi. Je peux pas y aller. Il va me voir. Bien sûr. D'ailleurs, ceux qui savent comment s'appelle cet instrument-là, typique qu'on entend souvent dans les trucs du Japon médiéval, je suis preneur hein, dans le chat, ou ceux qui verront cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'aime beaucoup cet instrument. Donc, passage secret, par ici. Là, mais oui, mais c'est là en plus.
Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, bien sûr. Vous accourez vers moi. Incroyable, tu as réussi à entrer. Le ninja dont parle la légende, ce serait toi ? Je ne vous le dirai pas. Oh, et ça aussi, j'aime bien. Ça fait penser alors, ça fait penser maintenant au Korogu dans Breath of the Wild et Tears. Ces petits moulins avant. Tu es arrivé jusqu'ici, c'est impressionnant. Bien sûr, attendez, bougez pas, je vais vous aider, je vais juste le décrocher lui. Ah mais tu vas, ah d'accord, de plus en plus haut, j'avais pas percuté. Pour l'instant, je ne sais toujours pas à quoi servent ces pièces. Jolie, les cascades. Donc à partir de là, à partir de ce niveau, je ne connais pas. Voyons voir la tête du costume ninja. Avec les kunai. Oh, sympa. Voyons voir manette en main. Bon déjà, elle est... Ouais, waouh. Elle fait des sauts géants. Ok, tu attaques à la vitesse de l'éclair. Et moi, j'aimerais bien trouver une petite étincelle par ici. J'ai vu des pièces. Ah, on va pouvoir grimper au mur, non ? Voyons voir. Bien sûr, génial. C'est excellent. Tu es une alliée ? Une amie, s'il te plaît. Aide-nous. J'arrive. Coucou, chatoun. Comment tu vas ? Ah, elle se camoufle. Mais ce jeu, j'adore ce jeu. Cache-toi dans l'herbe pour te rapprocher des ennemis, puis attaque avec B. Et ben ça va super aussi, chatoun. Je suis enchanté de faire ce jeu. Qui sort aujourd'hui ? Ça y est, c'est le week-end pour toi ? Super. Est-ce que tu as rejoint Monkey à la maison, qui est en télétravail ? Woup, comme tu dis. On se camoufle. Il me voit pas. Tu me vois, tu me vois plus ? Ah bah en plus, il est passé sur moi. Non mais... Alors là... C'est même plus de lunettes dont tu as besoin. Ah toi aussi, tu es en télétravail le vendredi. D'accord, bah sympa, télétravail à la maison tous les deux. D'ailleurs, ça fait toujours un petit peu effet week-end à l'avance, même si on travaille. Ça fait une espèce de 3 jours de week-end. Cachons-nous. Hop là, attaque. Tac. Par derrière. Ah, mais je peux aller sur les toits, mais c'est magnifique. Si le ninja de légende était là, mais je suis là. Mais c'est ça, on n'est pas coincé dans les bouchons. Donc ça fait vraiment effet week-end à l'avance. Donc c'est cool. Alors j'essaie de voir, hein, de récupérer surtout l'étincelle. Je peux pas passer par ici, non. Je peux pas. Il a l'air chouette ce jeu. Tiens, il est super. Il est super. Alors comme je disais, c'est pas du même acabit qu'un Mario 3D. Mais il est génial, il est beau. Les musiques sont magnifiques, comme d'habitude sur un jeu Mario. Et puis les transformations sont un régal. On fait des choses différentes. Non, c'est... J'adore. Ah ! Ce camoufle en rocher. Mais c'est excellent, j'adore. Et ça fait penser à un passage. Alors...
dans Dragon Ball, dans les bouquins, hein, les bouquins de 84-85. Un camouflage très mal fait d'un ninja face à Sangoku. J'adore ce jeu. Il est marrant en plus. Il est amusant, c'est... Ah oui, la pause, j'oublie la pause, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, tiens, pause ici. Voilà, c'est ça. Étincelle ? Pas du tout. Je sais pas, peut-être ici ? Non. Camouflage. On se camoufle. Mais oui, mais c'est génial. C'est génial, on peut prendre la... On est un caméléon. Peach est un caméléon. Hop, je vais essayer là. Voilà, se camoufle aussi en barrière. Et les lampes. Les lampes. Ouais, bah c'est pareil. Elle est là. La petite étincelle de mes rêves. Hop là, je peux pas ? Non, je peux pas. Pas d'ici. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Cache-toi contre le mur, mais oui. Clac, et voilà. Ni vu, ni connu. Bon, en revanche, il faut que j'aille là-haut, moi. On va faire ça. Joli, allez, Kagebunshin. Hop là. Et j'ai loupé une étincelle. Cache-toi dans l'herbe. Ah oui, les plantes aussi. Les fleurs, bien sûr. Bien sûr. Bon, je crois que c'est tant pis pour l'étincelle. Quoique... C'est pas grave, on refera ces niveaux. Je l'ai dit, on fera 100%. Tu es vraiment doué, merci petit gars. Prudence, les ennemis sont nombreux. Ouais, mais ils sont pas futés. Donc ça va, ça compense. Ah. Ah. Oh, comment on appelle ça ? Oh ! La technique de Kakashi. Alors lui, il est bloqué contre le mur. Très bien. Ah mais oui, c'est vrai que je peux faire ça, des sauts muraux, bien évidemment. Ah, alors là, un indice ou pas ? Ou pas un indice ? Sur l'étincelle. Tiens d'ailleurs, étincelle, alors ça fait penser à une chanson. Est-ce que ce serait pas, ça viendrait pas d'une chanson des L5 ? Ça vient de me faire tilt dans le cerveau. Ça me parle, ça. C'est vieux, hein ? Ça a plus de 20 ans. Enfin, c'est vieux. C'était pas hier, quoi. Et les tiroirs, d'ailleurs ? Ouais, je me camoufle en meuble. Très bien. Arrête de te camoufler partout. Je sais que t'aimes bien ça, mais c'est bon, ça suffit. Bon, il y a un truc à faire ici. J'ai
choisissez tous les boutons, mais il n'y a pas. En fait, là, il n'y a pas voilà, A pour sauter, B pour taper, et ZL ou ZR pour prendre la pause. Voilà, c'est pas le gameplay le plus extraordinaire du monde. Ah, mais j'ai loupé un truc. C'est sûr et certain. On y reviendra. Une technique de ninja, se cacher dans une jarre. Ah. Comment je fais? D'accord. Ok. Ok. Au moins j'ai le ruban. Génial, génial, génial. Ça aussi, dans Dragon Ball, il y a ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pas que, mais voilà. Ah, ok, autant pour moi. Et ça, le bruitage. Oh, ça me fait vraiment penser à Naruto. Naruto, Dragon Ball, voilà, tout, toutes ces œuvres japonaises. Joli. Ah. Et non, j'avais pas loupé d'étincelle. Ah, maître théâtrin. Ce qu'ils veulent, ce sont les parchemins. C'est vrai, le titre, les parchemins de l'eau, je crois. Ces parchemins sont à moi. Très bien. Bah écoute, cours, moi j'inspecte, hein, par ici. Arrête de gigoter. Ouais. D'accord, ok, ça court tout seul. Excellent! Yes. Qu'est-ce que c'est? Ok, faut pas louper un seul petit bout. Petit bout d'étincelle. C'est excellent. J'ai loupé. Oh, j'ai loupé. Oh, j'ai loupé. Oh, j'ai raté. Complètement loupé. Mince, ah mais c'est vrai qu'il faut le... Bon. Les décors de théâtre sont magnifiques. Il est trop peur. Trop peur que je lui mette une fessée. Ah, d'accord, je fais sauter le... C'est quoi, c'est un rocher? C'est quoi? C'est une vague? Non, c'est une vague, d'accord, mais bien sûr. Je les ai loupés. Ah non, il est là. Voilà. Ah, un niveau absolument incroyable. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il me manque donc 3 petites étincelles. Je pense qu'on va faire après le cowboy, enfin le western, puis après on retournera dans ce qu'on a fait déjà fait pour récupérer ce qui nous manque. Je savais que ce niveau allait me plaire. D'emblée. Très bien, je fais une pause, on continue juste après. Nous allons aller au Far West. Je vous dis à tout de suite. Me revoici. On va naviguer un peu dans le menu. Alors, garde-robe. Qu'est-ce qui change? D'accord, ok. Oh, joli ça! Une robe gâteau, à la fraise. J'ai vu autre chose, non? Ruban classique, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas autre chose. Costume.
Ah. Ah, mais je peux... Oh, c'est vrai ? Je peux la garder comme ça. Peach Ninja, musique. D'accord. Des films. Ok, on peut revoir les cinématiques. Tiens, d'ailleurs, Monkey et Chatoun. Est-ce que ce week-end, vous allez vous empresser de jouer à Tunic ? Moi, je le sens. Non, je peux pas, d'accord. Je sais pas pourquoi je pouvais sélectionner les costumes. En tout cas, on attaque le western. C'est parti, en contrée sauvage. Des bandits. Ces bandits sèment le chaos, la ville est en danger, faut qu'on les arrête. Yeah. Cowgirl. Au vieux western, le saloon de la ville. Bien sûr, on a ça qui se balade au gré du vent. J'ai oublié leur petit nom. C'est quoi ? Ah d'accord, t'étais caché, je me sens courageux tout à coup. D'accord, il y a eu du grabuge ici. On a une photo d'un train. Ils ont tout volé. Je ne vais pas rester là sans rien faire, on va tout récupérer. Excusez-moi, je réglais le micro. Hop. D'accord, donc ce sont mes acolytes. T'es caché où ? Y'a personne ? On va régler son compte à cette porte. Peut-être pas en manque de force. Jamais avec Peach. Yeehaw ! Cowboy. Oh, Jelly Jumper, que fais-tu là ? Attelé à la carriole. Je peux pas t'enlever, je peux pas me servir de toi. Si ! Non, pas du tout. Ces bandits viennent d'entrer dans le saloon. D'accord, ah oui, lui, hop là. Je vais t'aider. Voilà, merci à toi. Au secours, à l'aide! J'ai vu une étincelle. Le chef des bandits. Qu'est-ce que vous fichez là? Tiens, coup de ruban. Hop là. Va-t'en. Tu peux... T'as marqué quoi? Tu peux rentrer par là, d'accord. Je vais d'abord... Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Est-ce que je vais en bas d'abord ? Je vais en bas d'abord. Aïe, ok. Mais calmez-vous. Voilà.
Il est là, celui qui était sur le balcon. On ne pourra pas entrer par là. Non, mais je sais. Ah, mais ils sont réveillés, eux. En fait, je ne fais que les étourdir. Cette cave est reliée au saloon. Oh, joli! Regardez, hop là! Tout sur les fesses. Lustre la rambarde. Y'a personne! Faut passer par où déjà? Attends, il fait tout noir, je ne vois rien. Est-ce qu'il faut allumer? Voilà, les petites loupiottes. C'est ça. Et de 3. La cave à vin. Prochaine transformation. Ça marche, Tigone. Tu dois aller à ton cours d'alto. Ah, eh bien, bon cours d'alto, alors. Joue bien. À plus tard. Ok, ça rigole pas. Beach Western. Là, voilà. On va donner une bonne leçon à ces bandits. Tu vas me distraire, c'est bien. Tu vas voir si c'est moi qui vais te distraire. Tu vas voir. Ah, vos... Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Ok. C'est excellent. Voilà, tu l'as pas volé celle-là. J'ai libéré tous les théâtres. Hein. Commande, c'est un peu tard. T'es plutôt forte en fait. Sur ce, j'ai un butin à emporter, moi. Le rire maléfique, le rire du méchant, bien sûr. Allez, hop, ça dégage. Il me faut Jolly Jumper, t'es où? Ah, te voilà. Allez, va comme le vent. Jolly Jumper. Excellent. Là, ok, là-bas. Ah oui, je peux passer, d'accord, je fais ça. Oula. Bien sûr, récupérer tous les petits cristaux. Là, oula, attention le cactus. Je l'ai eu. Attention, le cactus. Les cactus. Le cœur, je l'ai pas eu. Mais tu vas nous lâcher, oui. Absolument pas. Tu crois que ça me fait peur, ça? Allez, hop, va voir là-bas si j'y suis. Je me suis payé un bout de rocher. Oh, là-bas! Mais oui, je l'ai eu, je crois. Donc, je sais pas ce que j'ai eu. Mince. Autour du bandit, du chef. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi, ce truc, derrière le cheval? Ah, je l'ai loupé, l'autre sur le cheval, mince. Ah, j'aurais aimé faire un 100% dès le premier coup.
Et j'ai toujours pas d'ailleurs trouvé le ruban. Ah, ça vibre. Allez hop, sous la scène. Musique épique. J'aurais jamais cru que tu arrives si loin. Vilco Girl. Bon, très bien. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Attends. Ah ok, j'ai vu, j'ai compris. Tiens, hop là, c'est pour toi. Bien fait les animations. Bien faites les animations, c'est mieux. Je m'attendais pas à ce que tu me charges. Waouh, j'ai plus de... un cœur. D'accord. Tu t'énerves, je comprends. Ah là 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 là. Ah mais je peux le garder, je peux le conserver. J'avais pas capté ça. Attention à la charge du taureau. Ah, tu recharges. Bien sûr. Évidemment. Ouais. Yeeha ! 9 étincelles sur 10. Et pas de ruban, malheureusement. On va fouiller plus que ça. Hein. Sting. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ces fils étaient connectés à cette porte. C'est peut-être elle qui met toute cette pagaille dans les pièces. Ne crois-tu pas ? C'est bizarre. Mon étincelle se renforce. Elle réagit peut-être à cette porte. Ah ! Si on améliorait mon pouvoir avec des gemmes d'étincelle, je pourrais peut-être l'ouvrir. Qui sait ? Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes ? Oui. Où le chargement a du mal ? Où le chargement a du mal ? Comment ça se fait ? Ça vient pas du stream. Ça vient du jeu en lui-même. Mais vous êtes qui, vous ? Et comment vous avez fait pour passer cette porte ? Je te dirai pas.
Avec Dame Sierra, on réécrit vos histoires, vous comptez nous en empêcher, c'est ça? Un peu mon neveu. Eh ben, je vais vous punir avec le pouvoir de l'étain sombre de Dame Sierra. Alors, qu'est-ce que tu veux, chouette boule à facette? Disco plume. Ouais, ouais, je sens que tu vas... D'accord? Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je fais? Ah, ok. Autant pour moi. J'ai pas compris. Voilà. Bah. Oh, inversion de la gravité. Des petits pipious. Là, les pipious. Non. Les pipious. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut que j'appuie, pardon. Sur B. T'es un petit peu énervé, je te comprends. Ah, ok. Attention, je vais me faire écraser. Bien sûr. Ah. Ah. Très bien. Voilà. Voilà. On a compris ton petit jeu. Oula, attention. Voilà. Oh les pipiou. Soyez gentil. Et je pense qu'on est bon. Aïe, je me suis pris la boule violette sur la tête. Sympathique ce petit boss. Pas difficile mais sympathique. Oh, nous sommes comme dans un rêve. Ça y est, nous avons accès à l'étage. Oh, l'étage est redevenu normal grâce à toi, je ne sais même pas comment te remercier. Cela dit, on n'a toujours pas vu d'étincellistes. Je me demande où ils ont pu bien aller. Ils ont bien pu aller, ça m'inquiète pour tout avouer. Ils sont peut-être montés à un autre étage? Allons voir, Pichoun. Allez, réfléchissez. Est-ce que je l'accompagne ou est-ce que je vais me prendre un café? Ah, un photographe. Où vais-je trouver le prochain? Oh bonjour, je suis là pour prendre des photos des représentations. Je suis à la recherche d'une nouvelle personnalité qui resplendirait devant l'objectif. Et j'ai récemment pris des photos d'une pièce captivante. Jeune fille, ne serais-tu pas toi-même un peu actrice? Ah, Peach est la star, hein. Alors j'espère que ça ne te dérangera pas que je photographie quand tu brilles sur scène. Non, absolument pas, hein. Si tu obtiens toutes les gemmes d'étincelles pendant une pièce, je capturerai ton image.
Et bien sûr, pour te remercier, je t'offre un album que je remplirai avec des photos de toi. Attention, ça fait un peu pervers. J'ai hâte de voir tes prouesses. Album obtenu. Sois prudente, merci. L'étagère est redevenue normale, bien sûr. Il me manque, moi, des étincelles. Album, mince. Pas collection. Album. Mais oui. Et pourquoi ? Regardez, on a trois fois l'épée, le sabre, trois fois le kunai, trois fois le western et trois fois pitch cuisinière. Pourquoi trois fois ? Je sais pas, c'est parce que je sens qu'on va devoir retourner dans ces mondes en faisant autre chose. Je sais pas. Par exemple, bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire ici. J'ai tout fait. En revanche, il me manque des choses. Je vais retourner dans la cuisine, faire la pâtisserie. Parce que j'ai loupé ma petite fournée de biscuits tout à l'heure. Ou tartelettes, ou je ne sais guère. Toujours pareil, ce corps de bateau, là, de navire paquebot. Peach time. Bien sûr. Donc, trois. Alors, deux en faisant les biscuits, et la troisième, je ne sais pas. Allez, les petits gars, on y va. Hein. Pourquoi vous y allez pas ? Allez ! Ah mais c'est vrai. Allez, j'ai pas le temps. Les portes, ouvrez-vous. Ah mais oui, d'accord, ok. Pardon. Il fallait que je vous soigne. C'est vraiment des morphales, hein. Ces petits osios. Il est accroché au biscuit. J'adore. Est-ce que je... Oui, je l'ai eu, hein. Oui, je l'ai eu, déjà. Ce petit ruban. Attention, ça soigne. Attention, on y va. On va chercher les fraises, le blé. Et vous venez ? Allez, hop. On se dépêche. Voilà, vous pouvez tout récolter. Et on est reparti. Voilà, donc c'est là. Je peux passer normalement. Normalement. Oui, je vais vous aider, vous en faites pas. Voilà. Aïe, pardon. C'est parti pour une énorme fournée de biscuits. Avec Peach et Best. Comme l'a dit Monkey tout à l'heure. Ça marche pas.
Ah mais faut que j'appuie, d'accord, autant pour moi. C'est parti, dommage, cela ne compte pas. Ah si, ça compte. Incroyable. Yes, vite, vite. Oh, vite. Voilà. T'en vas pas comme ça. Jeune théâtrin, clac, impeccable. Reviens. Tu m'embêtes. Oh non, dommage, vite. Allez, 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 on se dépêche. Maintenant, on a pris le coup de main. Il me faut... Oh, vite! Là, bah alors, on se dépêche un peu, là, les gars. Pas assez de gâteaux, pas assez de biscuits. Excellent. Ah, mais oui, c'est avec eux, d'accord. C'est avec eux, ok. Oh là 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 là, je pense que c'est bon, je pense qu'on est bon. On est bon. C'est bon. On a nos petites étincelles. On n'a plus rien à faire, quoique. Non, on s'en fiche. J'ai compris. Ah non, il m'en manque deux alors. Non ? Non, il m'en manque une. Une seule. Tout pareil. Alors, par ici, on va fouiner. Farfouinons. Non, mais il y a des théâtrins derrière aussi. Des théâtrins sauteurs, kangourous. Et voilà, j'allais dire, il faut peut-être que je prenne une photo. La pose, plutôt. Et c'est ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, me semble-t-il. Bien sûr, je meurs de faim. Oh là là, attendez, je vais vous régaler, les gars. C'est pour vous, voilà ma fournée. Yes, ça y est, 100% pour celui-là. Oui, les gros gâteaux sont cuits. Cette tenue. Oui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on nous donne des cœurs. Puisqu'ici, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bandits, on ne perd pas de cœur. C'est simplement de la pâtisserie. À moins qu'on perde de la vie en mangeant trop de gâteaux d'un coup, c'est possible. Mais on mange pas, nous, on cuisine. Ah, ils sont gourmands, hein, les petits gars. Allez, c'est parti. Même si j'ai déjà fait, c'est pas grave, hein, je m'amuse à refaire. J'ai obtenu ici les trois étincelles, ou deux, je sais plus. Celui-là m'a l'air terriblement bon. Pour ma part, j'en goûterais bien un morceau. Alors, voilà. Je me suis un petit peu trompé. Mais ils sont ravis. Moi aussi. Ah !
Très bien. Et lui, c'est le dernier. C'est le dernier. Hop, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah oui, c'est ça. Ça, voilà, voilà. Très, très bien. Les macarons à la pistache, ça donne envie. Au café aussi, je crois. D'ailleurs, je pense terminer donc le western et le ninja ce soir. Parce que ce soir, on est encore sur Peach. Sur Princess Peach Showtime. On va avoir droit à notre petite photo dans l'album. On va aller voir ce qui se trame à l'étage. Salut, ah bah tiens! Ah, une cliente! J'ai de merveilleuses robes à te proposer en échange de quelques petites pièces. Bien sûr. Et pour toi, Stella, j'ai de très jolis rubans. Tu devrais y jeter un œil. Jetons un œil. Pour Pichounette. Faites voir Pichounette, déjà. Ah, ah, sympa! Sympa, sympa, sympa. J'ai 970. Bon, j'ai de quoi faire. Jolie aussi celle-là, mais spéciale. Non, celle-là non. Je préfère encore les rayures de horizontales que verticales. Ça, c'est joli aussi le dégradé. Et là, le haut blanc et la robe rose. Non, mais j'aime bien celle-là. J'aime bien. La robe disco plume. Veux-tu mettre cet article tout de suite? Bah, bien sûr. Yay. Tant qu'à faire. Et pour Stella? Ah, les rubans. Des rubans. Donc toi, t'avais quoi? Le ruban bleu? Jaune, ça fait trop jaune sur jaune. On te voit plus... on te confond avec ton... Avec ta petite robe. Avec ton ruban. Noir? Non, noir, ça te va pas. Là, c'est joli, ça fait un peu fée de la Belle au bois dormant. Là aussi, tiens... non mais rouge, on dirait le Père Noël. Ah si si, je vais prendre en rouge. Ça fait un peu costume de Père Noël. Et voilà, regardez-moi cette Peach magnifique avec sa robe disco plume. Veux-tu rendre ton amulette cœur? Non, 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 je la garde. Pourquoi veux-tu que je te la rende? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, mais je croyais qu'il était allongé sur les escaliers. La porte et les fils ont disparu en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Il est tout déboussolé. L'étincelliste détective résoudrait ce mystère? Ah, le patinage! C'est vrai, on avait vu ça dans les vidéos de lancement de ce jeu. Maintenant, c'est cet étage qui est lugubre. Moi, j'aime bien l'ambiance. On a des rampes de projecteurs là-haut. Vous avez aperçu la grappe maléfique?
Non, je crois pas. L'étincelliste épéiste est peut-être par ici. Ah oui, que sont ces étincellistes ? Tiens. Détective, c'est vrai. Peach était... Pardon, détective, là-bas, Peach... Ah, le fantôme de l'opéra, peut-être. Et là... Ok, je comprends. Épéiste, d'accord. Non, on va faire une transformation qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai envie de tester celle-ci. Peach Sherlock Holmes. La fresque disparue. Quoique, peut-être avant de se quitter, avant le dîner, je tenterai de récupérer des étincelles du côté du ninja. De l'histoire du ninja. Possible. Oh, tout le monde a l'air inquiet par ici. Pourtant, la ville est sûre grâce à son détective qui résout toujours les mystères. Mais oui, que se passe-t-il ? Bah alors ? Pourquoi vous faites la tête ? En ce moment, on ne se sent plus en sécurité, ah mince. Bon, je suis là pour ça, pour amener la sécurité chez vous. Comment réagirais-je en cas d'agression ? J'ai perdu mon ticket. C'est fâcheux, en effet. Mais j'ai trouvé quoi? J'ai pas compris, mais oui, si ça t'arrange, tant mieux. Tu peux aller au musée. Moi aussi, j'ai bien envie de faire un petit tour au musée. Laissez-moi. Ah, agression. Ouh, attention. Voilà, on t'a sauvé. Ils sont là encore. Allez, Godin. Allez, Malfra. Mais où sont les policiers? Je peux aussi donner un coup de main. Je t'ai vu, toi. Cette fresque antique m'intrigue. Pourquoi une fresque antique? Au fond, qu'est-ce qu'on a? Ah, les policiers sont là. Le musée est fermé aujourd'hui. Mais c'est urgent, il y a une menace. L'enquête ne peut pas être menée sans moi. Ah, mais c'est le détective, ok. T'es l'assistant du détective et rien de plus. Donc c'est Watson, tu ferais mieux de rentrer chez toi, petit. Ah, il veut rien entendre. Ah là 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 là. J'allume les lampadaires? Pas du tout. Là, c'est quoi? Pourquoi? Non? Est-ce que je peux parler à ces policiers, moi? Ah! On a temporairement fermé le musée. Très bien, il me barre la route. Mais, allons, il me faut juste un nouveau plan. Est-ce que tu peux me suivre? Après toi, cher ami. Ah! Salut, toi. Entre vite. Bien sûr, juste avant, je fais encore un petit tour. Est-ce que j'ai rien loupé là, peut-être? Non, il y a une bouche d'égout. Ah, mais non. Ah, super, elle danse. Ah, mais parce qu'elle a la robe disco plume. Oh, c'est excellent, ils ont fait des mouvements en fonction de la robe. Et lui aussi, à côté, danse. D'accord. Entre vite. Oui, attends, je t'ai dit que je faisais un petit tour. Histoire de ne rien rater. On voit hein, sur le musée là-haut, l'étincelle. Je pense qu'on est bon, allez, on continue. Le détective est absent en ce moment. On a les photos du détective. C'est quoi, un livre avec un éclair dessus? Ah non, étoile. Éclair, nuage, soleil. Très bien, on a compris l'astuce. On est détective aguerri. Donc étoile d'abord. On a résolu l'énigme.
Voilà. Bah alors ? Mais, non, mais je trouve que Stella, elle est bien avec son ruban bleu, finalement. Le ruban de base, tu as résolu ça avec une telle facilité. C'était pas très compliqué. Hein. Bien, nous voici... Ah, bah voilà ! On va sortir la loupe, le chapeau. Le... c'est quoi, un trench coat ? Non, je sais pas. Non, l'imperméable ? On va voir ça. Ça lui va bien. Et j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Très bien, donc on appuie sur B et hop. On inspecte, on observe, on s'interroge. Et moi je suis sûr qu'il y a un truc par ici. Hein. Enfin, il y a des chances. J'ai récupéré 3 étincelles pour l'instant. Et je peux voir qu'au sol. Bon, il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien. J'espère. Je sais pas. En tout cas, c'est bien parce que la loupe fait aussi office de lampe torche, j'ai l'impression. Pratique, hein ? Bon, rien d'intéressant ici. On éclaire le public. Ouais. Ah, elle se pose des questions. Regarde, elle ferme un œil. La main sur le menton. Mm-hmm. Ah, un indice par terre. Mais où est passé l'assistant ? Bah alors ? Il y a une note par terre. Voyons un peu. Si un détective lit cette note, qu'il vienne le trouver. C'est l'assistant. D'accord, ok. Autant pour moi. Retrouvons l'assistant. Ah, oh. Qu'est-ce que... La tasse est étrange. Oui, mais d'accord. C'est le bureau du détective. Tiens, une note. Éclat d'intuition. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis parti mener une enquête passionnante. Occupe-toi du bureau en mon absence. Attendez, qu'est-ce que... Pourquoi j'avais ça, moi ? Éclat d'intuition. Ah ah, la tasse. Je t'ai trouvé. Fais attention, Peach. Tout éclat d'intuition qui te mène à une erreur te fera perdre un cœur. Ok, autant pour moi. Dans ce bureau, nous nous entraînons, alors si tu te trompes, tu ne perdras pas de cœur. C'est vrai, donc si j'accuse la tasse d'être l'instigatrice d'un crime, je peux perdre un cœur. Très bien. Le canapé. Ouh là là, le canapé. Lui aussi est suspect. Hein. Ses coussins sont moelleux. Est-ce que j'accuse le canapé ? Je sais pas. Des photos du détective de la ville et de son assistant. L'assistant du détective nous a dit que ce dernier était absent pour le moment. Bon. Va falloir être intuitif. Jolie collection de romans policiers. D'accord. Qui aurait pu deviner qu'une porte secrète était cachée ici ? Était caché ici, pardon. Tous ces documents sont des affaires classées. On ne devrait pas les lire sans autorisation. D'accord. Et la cheminée, est-ce que je peux ? Pas du tout. Ah, c'est quoi ça ? Un coffre. Un coffre ? Et si on l'ouvrait ? Bien sûr, un coffre pirate. Donc, qui vais-je accuser ? De toute façon, voilà, de toute façon, on perd pas de cœur, donc... Colonel Moutarde, avec le chandelier. Ah bah il est là. Dans la salle à manger. Excellent. Excellent, ils sont forts, Nintendo, ils sont forts.
Oui, que... oui, incroyable. Rien ne t'échappe, tu es une grande détective. Tu peux déceler la vérité grâce aux éclats d'intuition. Bon, je crois que je peux y aller. Un mystère nous attend. Bien sûr. Est-ce que... Non. Ah oui, je peux toujours faire éclat d'intuition. Mais de toute façon, ici, je perds pas. Alors, je vais tester. J'adore. J'adore. C'est bien qu'on ait des cœurs en plus. Ça va nous éviter de mourir facile bêtement en faisant ça. Voilà, et au milieu, puis après on part. Ah, je vais me régaler ce soir. Je vais me régaler. Puisque je le rappelle, on continue tout à l'heure après manger. Bonsoir messieurs. Oh, une détective. Tu peux entrer. Une détective, enfin! Eh bien, tu tombes à pic, le directeur t'attend dans la salle adjacente. Tu m'as l'air louche, toi. Oh, on a fermé le musée, je ne peux même pas rentrer chez moi. Comment ça? Les portes sont fermées maintenant. Ah. Je peux parler à la statue? Pourquoi il y a ça qui... D'accord. Oh, une tablette égyptienne. Avec, bien sûr, regardez, une gravure contenant un texte ancien et probablement notre plus ancienne trace écrite. Ça me paraît louche parce que il y a le dessin d'une étincelle dessus. Ce policier ne laisse sortir personne. Qu'a-t-il bien pu se passer? Le bas-relief d'une gemme d'étincelle. Preuve qu'autrefois déjà, on lui accordait de la valeur. Je ne suis qu'un simple employé, si tu veux des infos. Adresse-toi plutôt au directeur, qui est là, je suppose, avec les lunettes. Bien sûr, il a une tête de directeur. Pas du tout. C'est un étudiant. Je suis venu voir les momies dans la salle du fond. J'espère qu'ils vont bientôt ouvrir la salle. Les momies me fascinent. Ah. Cette dalle de pierre cassée est en cours de restauration pour qu'on puisse la lire. Encore avec une étincelle là-haut. Partout, hein. Il y en a partout. Seuls des ninjas pourraient comprendre les caractères inscrits sur ce parchemin. Ah, alors... Seuls des ninjas... Est-ce que c'est un indice? Est-ce qu'il faut revenir ici? En ninja. Ce mollusque fossilisé a été découvert dans les environs, jadis submergé par les eaux. Et toi? T'es louche, toi, hein? Ah, des... Pourquoi je peux pas lire? Ah, mais non, c'est toi. Tout va bien par ici? Tant mieux. Allons d'abord parler au directeur afin de savoir exactement quel est le problème. Il y a beaucoup de policiers. Tout est bien fermé, j'ai même resserré moi-même cette fenêtre pour être sûr. Fais voir. La fenêtre est verrouillée. Oui, tu as raison. Ah, ça y est. Ah, voilà enfin une détective. Nous avons trouvé une note menaçante sur la fresque théamienne. Ouah ! On peut y dire, nous allons vous prendre cette fresque théamienne. S'il arrivait quoi que ce soit à notre précieuse fresque. Oula, problème de... problème d'électricité... d'électricité. J'y arrive.
Est-ce que je vais devoir donner des coups de loupe? La fresque, elle a disparu. Ah ben oui. Je t'en prie, trouve ces malfaiteurs. Hoi. Ah, oh, oh, la fenêtre. C'est terrifiant. C'était terrifiant. Personne n'est passé par ici. Personne n'a franchi la porte alors que le courant était éteint. Il faut dire que cet employé s'était accroché à moi, que je ne pouvais plus bouger. Enquêtons, regardez, elle prend note, bien sûr. Ce serait le schéma de ruines, mais il est trop abîmé pour qu'on en soit sûr. D'accord, donc c'est là qu'on peut utiliser les éclats d'intuition. J'ai peur du noir, alors je me suis resté accroché à cet agent jusqu'à ce que le courant revienne. Ah mais t'as l'air louche, toi. Hein. C'est quelqu'un d'ici qui a volé. Toi, est-ce que c'est toi? La fresque a disparu au moment même où le courant s'est éteint, ça me rend fou. La fenêtre était parfaitement fermée, comment ont-ils pu entrer? Ouais, c'est la question que je me pose. Alors toi, Watson, mettons-nous au travail. Tout à fait. Parlons aux témoins et explorons le musée pour comprendre où les voleurs sont allés. Je vais... j'allais dire éclat d'intuition, mais je peux pas. Et toi, est-ce que t'as vu quelque chose? Il faisait si noir que je voyais très mal, mais j'ai senti quelqu'un aller dans la salle de gauche. Alors, la salle de gauche par rapport à toi ou par rapport à nous, spectateurs? Ouais. Ce n'était pas rien, cette coupure de courant. J'espère que les momies sont intactes. Ouais, nous vous demandons... nous sommes vraiment désolés, il va falloir patienter encore un peu. Je veux rentrer chez moi, bah alors. Il n'en peut plus, lui. Cette gravure est de travers, non? Je suis sûr qu'elle était droite avant la coupure de courant. Ouais. J'ai une intuition. Je sais pas vous. Ah bah tiens, bah c'est malin tiens, d'avoir mis un conduit d'aération derrière ça. Bah bravo. Les archis ou, ou le directeur, c'est pas malin. C'est un conduit d'aération, les voleurs sont peut-être passés par là. Allons à l'intérieur, bien sûr. Est-ce que j'ai tout trouvé, moi? Ah, j'ai loupé une... J'ai loupé une étincelle, mais peut-être qu'elle est dans le musée. Je peux pas faire intuition là-dessus. Si, je peux. C'est pas évident vraiment à trouver toutes les étincelles. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi ça vibre là? Ah mais c'est lui qui me fait vibrer. Il fait vibrer Peach. Ah, il y a des mots sur lesquels je bute aujourd'hui, c'est terrible. Il fait vibrer Peach. Voilà. Les bas-reliefs. Bah là, du coup, je peux. Mais je sais pas, il y a une étincelle dessus, alors on sait jamais. Allez, donne-moi une étincelle, s'il te plaît. Mais non. Alors peut-être la tablette, j'en sais rien, et ça, le truc ninja. On s'en fiche, on essaie. D'ailleurs, je me demande, si on meurt, est-ce qu'on recommence le niveau du début? J'ai bien peur de ça, moi. Et j'aime beaucoup parce que cet épisode-là est assez long. Pour la première fois, c'est assez long. Après, on sait ce qu'on doit faire, mais j'aime beaucoup cette investigation. Bon, bah, une étincelle... Quoi. J'étais à milieu de penser qu'un passage se trouvait derrière la gravure. Ouais. C'est pas très malin, comme je disais. Bon, enfin, bref. Pas d'indice sur l'étincelle?
Bon. Nous reviendrons. Je pense que je pense qu'on va faire au moins deux fois chaque niveau. Vu que c'est vraiment pas évident. Qu'est-ce que tu veux, Watson? Ah! Un coffre. Oh! Cette vitrine est cassée. Oui, j'ai vu. On pouvait y voir des objets appelés masques de transformation. Il est écrit ici qu'ils permettent à leur porteur de revêtir toute autre forme. Mais c'est évident! Les voleurs se sont sûrement transformés grâce à ces masques. Mais oui, c'est bien sûr. Moi, je veux le coffre. Allez, hop! Des sous-sous. Des traces de pas. oui, ils permettent à leur porteur de revêtir toute autre forme. Je vois, les masques étaient exposés ici même, tout à fait. C'est ce que nous disait Watson. Nos voleurs sont forcément quelque part par ici. Ah! Des sarcophages. Ils sont peut-être planqués dans les sarcophages. Tâchons de trouver tous les indices afin de démasquer les voleurs. J'ai une clé. Oh, une clé en forme de pique. On pourra peut-être s'en servir, bien sûr. Et ça, c'est quoi? Le flair de la vérité démasque les menteurs et leur fait subir un sort terrible. Une clé rouge. Une clé carreau. Il nous manque le trèfle. Et le pic. Mon popcorn, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a profité de la coupure de courant pour me voler mon popcorn. Quel culot, quand même. C'est noté sur mon petit calepin. Je vends des appareils photo et l'un d'eux a disparu. Il était pourtant juste là avant qu'on ne coupe le courant. Très bien, tout est normal. J'ai vu personne de suspect, moi. Ouh, ça veut dire que t'es suspect. En plus, tu as un appareil photo à la main. Oh, la police est dans le coup. Ça... Ah non, d'accord, là-bas aussi. Personne n'a franchi ces portes, que ce soit pour entrer ou pour sortir. Ne faisons confiance à personne. Tout le monde est suspect ici. Pourquoi y a-t-il une nouvelle statue? Il n'y en avait que deux avant. Il y en a une avec des lunettes. Excellent. Statue de deux grands metteurs en scène. Ils auraient regardé une pièce tous les deux et auraient partagé un unique paquet de pop-corn. Hein? Donc c'est louche déjà. Ce truc-là, j'ai pas compris le truc, mais c'est pas grave. Un bas-relief d'un héros brandissant un bouclier rond ne se serait battu qu'avec ça. Ça peut surprendre, mais la statue aux lunettes de soleil est authentique. C'est vrai, c'est surprenant. Maman, je n'ai rien vu d'inhabituel ici. Tu mens. Des bruits bizarres proviennent de cette salle. Est-ce qu'il y aurait un fantôme? Non, moi, je pense qu'il y a quelqu'un là dans le sarcophage de gauche. C'est un oiseau sculpté dans le bois. Jadis, il servait dans diverses cérémonies. Oh! Ça m'intéresse. Non, attends. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ici, moi? Bah, logiquement, je devrais avoir une étincelle. Une étincelle. C'est tout? Juste deux petits coffres.
Pas de salle cachée, de passage secret. J'en ai bien l'impression. Alors. Un policier se trouvait dans cette salle avant la coupure de courant, je me demande où il est. Moi je crois savoir. Celui qui détient l'appareil photo. Je sais pas, il me paraît plus suspect que les autres. La statue de l'île de Théac. À la voir, j'ai comme l'impression qu'elle est omnisciente. La maquette d'un monument funéraire royal. La pyramide renferme un pouvoir, paraît-il. Et vous, là ? Hop, vous, moi. Très, très louche, hein. Serrure. Bien sûr, on va le faire. Ah bah tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Merci. Alors, je sais pas, pourquoi tu me dis merci ? Et ben voilà, parfait. Pourquoi merci ? Merci de m'avoir sorti de là, je n'en ai pas l'air, mais je t'assure que je suis policier. Ah, d'accord, quelqu'un m'a attaqué puis volé mon uniforme. Oh, on a du flair, j'ai du flair. Dès le départ, hein. Il faisait tout noir. Donc lui là-bas. Toi là-bas, avec l'appareil photo, tu me parais tellement louche. Attendez, avant ça... Je vais peut-être... Là, il y a un truc avec la statue. Ah non, ils ont partagé un unique paquet de pop-corn. Alors, autant pour moi. Du coup, je pense que c'est celle du milieu. Ah ah ! Mais oui ! Excellent. Ah, bon travail. Il y avait un paquet de pop-corn de trop. Il reste encore un voleur. Je suis sûr que tu vas le trouver. Of course. Of course. Il est tout penaud. Et c'est quoi ça par terre, là ? Le masque, Abby. Toi, allez, toi. Toi, monte-toi. Monte-toi. Bien sûr, toi avec le nez bleu. Je le savais. Je t'ai démasqué. Il a été trahi par ses vêtements et son appareil photo, non ? Bon travail. Nous les avons trouvés. Parlons au directeur. Yes! Il est où? Ah non, faut que je parte. J'ai eu le ruban, oui. Cracher le morceau. Oula, interrogatoire musclé. Dites-nous, où est la fresque? La fresque? Ouais, quelle fresque? Si tu crois qu'on va te dire qu'on te l'a planqué quelque part dans le musée. Ah, elle est donc encore dans le musée. Tu t'es trahi, petit gars. Je veux dire, je sais même pas de quelle fresque tu parles. Bah alors ? Tu arrives juste au bon moment, Pitchounette. Grâce à toi, nous avons les malfaiteurs. Mais nous ignorons encore où ils ont caché la fresque. Tu dois la retrouver. C'est parti. Enquêtons. Moi, je parie qu'elle est là. Elle est derrière ça, en fait. Quelque chose est écrit sur le mur qui exposait la fresque. Je suis sûr qu'en fait, elle est là. Elle est toujours ici. Ils ne l'ont jamais volée. J'en suis sûr. Ouais, c'était ça, j'en étais sûr. Allez, les farceurs. Mais la fresque était restée au même endroit. Elle n'a donc jamais été volée. Mais quel retournement de situation. Incroyable. Tu viens de rendre un énorme service au musée. Je te suis très reconnaissant. Vous n'êtes pas très fut-fut hein, par ici, j'ai l'impression. Oh bah non, bah moi qui pensais qu'il se rendrait jamais compte. Et vous aussi, vous pas futé non plus. Hein. Des voleurs qui n'ont rien volé et qui se sont fait prendre quand même. C'était super de te voir résoudre ce mystère. Une nouvelle détective hors pair est née.
Et l'enquête est enfin terminée. Je suis un petit peu déçu que ce soit terminé, parce que j'adore, j'ai adoré. Pour l'instant, c'est mon niveau favori. C'est celui que je préfère. L'enquête au musée. L'enquête de la fresque disparue au musée. Et on y reviendra pour la dernière étincelle à prendre. Bien entendu. Alors déjà, 2h20 de passer sur ce jeu. Je ne les ai pas vus passer. Je m'amuse énormément là-dessus. J'espère que vous prenez un grand plaisir à regarder ça également. Et je vous le conseille. Manette en main, c'est jouissif. Allez, sur ce, je vais vous quitter. Il est temps d'aller faire à manger. On se retrouve tout à l'heure, aux alentours de 20h45, pour la suite de Princess Peach Showtime. Très bon appétit.